Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans un genre de vlog, comme quand je suis parti chez le campagnard. Sauf que là je vais chez une modératrice de la chaîne YouTube, à savoir la première modératrice de la chaîne YouTube. Elle nous suit depuis le début et il y a un danger de signaler là. Et j'ai décidé aujourd'hui de prendre la route et... Attendez, je me remets sur le GPS, voilà. J'ai décidé aujourd'hui de prendre la route et d'aller à sa rencontre avec, bien sûr, l'accord de son chéri. Lui est au courant et elle n'est pas encore au courant. Donc j'ai hâte d'arriver et de lui faire la surprise, à savoir que j'ai encore 4 heures de route. Je suis parti il y a 1 heure de chez moi. Donc si vous êtes bon en calcul... tu mets pas le clignotant toi pour doubler. Ah oui, une fois que t'es sur la voie. J'hallucine. J'ai failli me prendre un camion. Le mec il se met sur la voie de droite et pour bifurquer il met le clignotant une fois qu'il avait fini de tourner. Non mais sans déconner. Donc je disais, elle n'est pas au courant, ce serait une sacrée surprise. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il repart à gauche. Il prend pas la bifurcation au final. Italien. Un italien. Et voilà. T'es fais gaffe, je sais pas c'est quoi, mais il y a un danger de signaler là. Le danger, c'est l'italien, mon gars. Bon, du coup, j'ai encore des kilomètres à effectuer. Ça bouge un peu, hein. Hop, attends. Voilà. Désolé, hein, mais bon. Donc, j'ai encore un peu quelques kilomètres à faire. Et puis voilà, écoute, hein, qu'est-ce que je te dis à... Dans la CATFR, régulateur de vitesse, voilà quoi. C'est galère de faire une intro là pendant que tu conduis. C'est pas bien. Aïe 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 aïe, c'est pas bien. Quand je suis entre la barrière et le poids lourd là, tu vois. Le poids lourd, la barrière, c'est une autre voie. J'aime pas ça, je n'aime pas ça. Aujourd'hui on va... Qu'est-ce qu'il me fait? Annuler. Ça m'a coupé. Aujourd'hui il fait chaud, on va avoir séché. Merde, je me suis complètement gouré. Vas-y, on la refait. On la refait. Je suis chaud, patate. Brrra. Scooby-Doo, papa. Brrr. Yeah, man. Écoute, ce son aujourd'hui est spécialement fait pour toi. Ouais. Je me suis levé ce matin à 5 heures pour préparer mes affaires. C'est nul, ça. Chichi, chicorée, yeah. Et pas gaffe, je sais pas c'est quoi, mais il y a un danger signalé là. C'est toi le danger, mon frère. Un stupidoute. Bon, plus que 3h11 de route et je viens d'arriver dans le département de la Haute-Garonne. Oh, ça c'est ma plaque d'immatriculation. Trop vite. Ah oui, pardon. Bon, c'est l'heure de manger. Je me suis arrêté sur une aire d'autoroute, il y a une quick. Quick! Donc, c'est l'heure de manger. Je suis tombé sur un papy avec une Renault Talisman. Eh ben, il envoie le papy devant, hein. Il fait pas semblant. Bon, si j'accélère, je le rattrape. Mais il envoie le papy quand même, hein. Bon, allez, on va arrêter les conneries. Oula, on va arrêter les conneries, hein. Je viens d'arriver sur Bordeaux et j'ai perdu mon copain de route. Voilà. Ça faisait peut-être 100-150 km qu'on roulait ensemble, l'un derrière l'autre. Et il a bifurqué, je sais pas où il est passé, je l'ai perdu. Bon, je viens de sortir de l'autoroute, ça y est. J'arrive sur place dans exactement 17 minutes à 15h05.
Donc, je sais toujours pas, est-ce qu'elle va être dehors dans son jardin et qu'elle va me griller d'entrée? Est-ce qu'elle va être à l'intérieur et que je vais pouvoir me poser dehors et puis. Et je sais pas. Je sais pas, je sais toujours pas! Bon, j'ai confiance. J'ai confiance. Au pire, je vais appeler son chéri et qui l'appelle et qui lui demande de regarder s'il n'y a pas un truc là à l'intérieur de la maison le temps que je m'installe vite dans le jardin. On verra, on verra. Bon les amis, je viens d'arriver dans son patelin. J'ai envoyé un message sur Messenger, j'ai dit « Fais gaffe, tu n'es pas prête pour ce qui va suivre », mais elle a toujours pas lu le message. Donc je me suis pas garé devant chez elle, bien sûr, je me suis garé à genre à 100 mètres. Et Ah, j'ai hâte. Regarde Céline, regarde, Silou Chicoré. Tu vois, ta maison elle est là. Ta maison elle est là. Alors on va fermer la voiture. Hop. Ah non, ça c'est ouverture des fenêtres. C'est pas ça, je me suis trompé. Voilà. Et j'espère que je vais pouvoir lui faire une surprise. Et que je vais pas me pointer nez à nez avec elle, tu vois. Alors déjà, je sais même pas où est exactement la maison. Et en espérant qu'elle soit pas dehors. Dommage que ce soit pas tendu, ça, parce que avec le détecteur de métaux, ça aurait pu être sympa. Non, le chien, il fallait pas faire ça. Bonjour les chiens. Je me suis fait cramer par les chiens. Je suis vraiment dégoûté. Oh, mais non, t'en pleures et tout. Comment tu vas? Alors ça, si c'est pas un bel accueil. Ah, je m'attendais pas à ce que tu pleures. Mais je suis en pyjama. C'est pour ça que tu pleures. Bah du coup, je devais finir le boulot jeudi soir. Et comme j'avais encore des jours à récupérer. Non, c'est moi que ça filme. Comme j'avais encore des jours à récupérer, j'ai demandé au boss si du coup il pouvait pas me les faire en congé payé. Il m'a dit oui. Du coup, j'ai envoyé un message à ton homme. J'ai dit je me pointe demain. Il m'a dit je bosse, mais vas-y, ok. Ah, le con. Bon, je me suis fait griller par les chiens, mais bon, ah oui, ici, tant pis. Ici. Oh, un petit café? Ouais. Je viens de me taper 5 heures de route, là, un petit café, je veux bien. Bon, je laisse l'émotion se redescendre, hein, et puis on vous reprend après. Allez. Non, là, c'est obligé, il faut que je me filme. Je rentre chez elle, et regardez ce qui tourne sur la télé. La Harley Davidson. Oui. La Harley. Souvent. Mais alors, bonjour les chiens, viens. Bonjour. Bonjour, pas.
Qu'est-ce qu'il y a, le petit, petit saucisson à quatre pattes? Chicorée. Chicorée. Oh là là. Oh la vache. Bon les amis, Stéphane est arrivé. Ah oui, vous le connaissez pas, Stéphane? Pourtant, il écrit des messages aussi des fois. Steph, ben, c'est tout simplement le compagnon de Silou Chicorée. On va faire un petit coucou. Salut. Le voilà, il vient juste d'arriver du boulot. Alors je lui ai dit d'aller ouvrir sa bière, déjà, la petite galinette sauvage. Ah ouais. Voilà. Après le boulot, ça fait toujours du bien. Ah, sûrement, oui. Et je lui ai dit, va voir quelque part dans ton terrain, parce que je t'ai acheté quelque chose. C'est emballé d'un papier rouge. Trouve-le. Papier rouge, oh, ben, c'est parfait ça. Un papier rouge, alors. C'est loin. Oh, je sais pas. Merde, il m'a vu. Faire ça, il m'a vu, il m'a vu. Pourtant, hey, je veux dire, le mec il s'est garé là, il est passé par là, et il a même pas calculé, il avait même pas vu. J'ai toujours des trucs là-dessus, moi j'aurais pu. Et alors, elle aussi elle a eu un cadeau, il est planqué quelque part par là. Donc si tu le trouves, on va. Il est derrière. Ouais. Ça y est. Bouddha. Bouddha, Bouddha. Bouddha Orca. Allez, je vous montre. Là, j'ai offert ça. C'est quoi? Une caisse à outils. Une caisse à outils. Pourquoi tu bricoles? T'es le genre de mec qui bricole, toi? J'en ai déjà plusieurs. Ah ouais? Et après, c'est pour toucher une caisse à pêche, peut-être aussi. Je sais pas. Je pêchais avant. Ah ouais? Ouais. Ah. Ça sent la couille. Ça sent la couille. Pourquoi ça sent la couille? Je crois. T'es pas lavé? T'as une tête de clown. Alors on m'a dit que t'aimais bien ça. Alors écoute, j'ai dit bah vas-y, je vais lui prendre ça. Je vais garder le papier. Bah, le papier. Mais c'est ça, j'ai pas compris pourquoi tu as déchiré parce que je pensais que t'allais le faire encadrer. Il est joli ce papier. Il est joli. Bah oui, il était joli. Il est une mini pour toi. Bah il servira à allumer le barbecue ce soir, hein, au pire. Hein. Oh bah voilà, merci. La pollution. T'as plus qu'à trouver un sac poubelle à ramasser. C'est mon drôle qui va être content. On m'a dit que t'aimais bien les dinosaures. Ouais, alors, regarde. Alors, regarde, je t'ai acheté plein de dinosaures. Je t'ai acheté tous les dinosaures qu'il y avait dans le rayon. T'es content? Ça te fait plaisir, j'espère. Tu vas pouvoir les mettre en expo sur ton bureau. Je la couille. Bon. Voilà pour cette petite partie. On se reprendra plus tard parce que je suis là pendant 3 jours, donc ça va être connerie sur connerie, je pense. Donc, pour l'instant, la galinette sauvage. Oh, ça y est, ça filme. Les homo sapiens sapiens, on est en train de faire le feu. Hein, je pense qu'on est pas mal là, non? On va préparer le barbecue, tu vas voir, ça va être du tonnerre de Dieu. Et... Ah, toi aussi t'as entendu un bruit? Ouais, de quoi? Qu'est-ce que c'est? Ben, je sais pas. Il y a un bruit là. Dans ton truc. Il y a un insecte qui chante. Ouais, fais gaffe. Tu la vois? Ouais, mais oh, ah, elle est là. Oui. Pas de bruit. Chut, chut. On va se cacher. On va se cacher derrière le Bouddha. Ouais, ouais, ouais. Hop. Ah, oh, la galinette sauvage. Je l'ai eu. Ha. Je l'ai eu. Tu fais quoi, Steph? Bon. On est en train de faire cuire les chipots là. Pourquoi tu sors tes chipots? T'as pas demandé de sortir un chipot? Attends, parce que t'es trop loin. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ah bon, d'accord. Cherche les chipots. Cherche les chipots. Attends, mais ah, mais non, elle est pas là. Elle est pas là? Non, elle est pas là. Chipots. Ah, elles sont là, les chipots. Putain. Y'a Chipporé et Chipolata. Chipot.
Ah bah oui, elle se reconnaît. C'est beau. Et moi, c'est beau. Eh, donne-lui une bière en plus. Non. Bah si. Non. Ah mais demain tu vas monter la charpente comme ça. Avec tes conneries. Avec mes conneries. Ouais, tes conneries. Moi mes conneries. Les poissons. Mm-hmm. Les poissons. Oui, les poissons, qu'est-ce qu'ils ont, les poissons. Ils sont là, ils sont là. Oh, les poissons. Merde, trop tard. Regarde. Merde, de me toucher trop de balles. Tiens voir. Je vais toucher trop de balles. Tu t'es trompé, c'est pour ça. Ah ouais, c'est pour ça. Regarde. On va aller voir les poissons. Bah, je peux te dire que dans ton eau, on voit pas grand-chose. Hein. Je suis en train d'arroser mes tomates. Il est en train d'arroser ses tomates. Ah, est-ce qu'il y a des œufs? Oh le bâtard! Il m'a mouillé, mais il m'a mouillé! Mais tu m'as fait peur, t'es con, c'est pas. Mais pas. Bah non, il n'y a pas d'œuf. Pourquoi ils sont pas fondus les salades? Oh, il y a un mélange, c'est lui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mélange. Elle va venir. Papa! Comment tu fais? Oui, c'est à peu près ça. Mais oui, mais. Allez, écoute. Regarde. La guinguette. Ici, ils ont la guinguette. C'est pour boire l'apéro, sauf que l'apéro, on le boit là-bas. Ouais. Donc, la guinguette, pour l'instant, c'est un projet à venir. Ouh, il y a des petites fraises là. Je sais pas si elles étaient pas bonnes, elles avaient le goût d'eau. Le goût d'eau? Ouais, elles étaient pleines de flotte. L'année dernière, elles étaient bonnes. Oh putain, j'en ai une, elle est bonne. Ah oh, si, elles sont bonnes, hein. Là, elle est bonne. Vas-y, vas-y. Attends. Ton fils, viens, on va voir ton fils qui dort. Son fils, il dort. Viens, montre-moi, viens. On va le filmer. On va le filmer, on s'en fout. On s'en fout. Bah, en même temps, c'est une chambre d'ado. Une chambre d'ado, c'est le bordel, hein. Ah, viens, viens, viens. Ah ouais, mais... Il fait nuit. S'il fait nuit, on va rien voir. Il nous a eu! Il nous a eu! Il est là le loup! Ah, c'est pour ça! Putain, on voulait te filmer en train de dormir là! Oh merde, il y a des marches! J'ai fait une casser la gueule, mais il y a des marches! Et en fait, il nous. Ah, attends, il fait son sport! Ah non, il se rhabille! Je crois qu'il faisait ses. Ses... Ouf! Ses étirements! Oula! Attention! Tes copines! Il a des chutes! Mais non, mais t'es dégueulasse quand même. Oula, ça fume là-bas. Oh, mais ça crame, moi, tu veux dire? Mais non, oh putain, oui. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, c'est tout noir. C'est tout noir. Non, ça va. Non, on n'est pas trop mal, hein. Ça on n'est pas trop putain, trop on mal. On tient le manouche, quoi. Va falloir que je me relave. Ah, parce que tu t'es lavé? Ben, écoute... J'avais pas senti, hein. Oh. L'orage à Villeneuve. Effectivement, il y a un petit peu d'orage. Toi, t'as tourné la tienne? Ouais. Regardez-moi ça. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ça fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Arrêtez, il y a des enfants sur YouTube. Hein. Bon. Arrête dedans. T'as dormi? Il voulait aller le réveiller. Il est blanc. Ben ouais, mais nous, en fait, on a voulu aller dans sa chambre. Mais il se lève. Non, mais il est blanc. Il a faim. Ah oui, il est blanc, hein. Il est blanc comme neige. T'as fait caca, ouais. Mon fils, ce matin. T'as fait caca. Oh, la reine des neiges. Bon. C'est Mickey. J'ai aimé Mickey. Les grosses oreilles. Il a les grosses oreilles. Il a les grosses oreilles, Mickey, qui dit. T'as Mickey, toi? Ouais, Mickey. Qu'est-ce que... Je sais pas... Comment? C'est pas du que... Bah, que son bois. Ah, c'est comme ça. Bah, attends, montre-moi, montre-moi. Non, le truc, c'est la... Tu... Quoi? Le tu... Le tut? Le tu... Oh, comment tu fais, le tu? Oh, ouais, d'accord. À demain, à demain. Ah, bah, c'est ce qu'elle vient de me faire. À demain. Regarde, regarde, comment tu fais le tu? Le tu... Tu... Je... Nu... Tu... Alors, le tu, en fait, c'est ça. Hein? C'est... Oui, c'est ce que je lui ai dit. C'est ce qu'elle appelle le dû. Est-ce que t'as emmené le tu? Le tu, c'est ça.
Mais prends-le. Ok. Le tue, c'est ça. Tu vas dans le trou, il y a rien dedans. Je sais pas du tout ce que sera la suite, mais ça pourrait. Oh, il fait un tour de tracteur. Ah, mais moi je fais un tour de tracteur, il y a la clé dessus. Oh putain, vas-y. Attends. Je vais faire un tour de. Ah, bah attends, non, il a été tout pété en plus, il est vite pété et tout là. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? La vitre a été pétée. Regardez les vitres là, tout ça, ça a été pété. On a changé la vitre. Et quand on a rechangé la vitre, ils l'ont pété. Mais pourquoi? Parce que c'était nul. Ils sont cons. Non, parce que moi, je faisais un tractopelle. Je prenais le tracteur, là. Tu vois le champ, là, en face? Je rasais tout. Je sortais le détecteur de métaux qui est là-bas dans le sac. Qu'est-ce que t'arrives? Que vous avez disponible sur la boutique que je viens de... L'autre, il me fout un dos au cul, là. Non, mais ça va, ouais. Popeye, sort de ce corps. Que je viens... Qui est disponible... sur... qui est disponible, du coup, sur la boutique. Je vous mettrai le lien en bas, là. Juste en bas, là, dans la description. Chut, faut pas le dire. Bon, bref. Ça devient du n'importe quoi. Je coupe. Coupé. Dans la voiture, mais il faut que je mette le téléphone. Bon, écoutez, on a Steph qui est parti en disant ouh, je vais me changer, je vais mettre mon pyjama. Pour il est parti en courant. Pour les moustiques. Donc, ouais, parce qu'il y a 2-3 moustiques. C'est même pas des moustiques en plus que vous avez, vous. Des cousins, là. Non, non, non. Ah, ouais, non. Alors, on a les bougies. Il est parti en courant en disant ouh, il y a des moustiques, je vais me changer. Je crains le pire. Je crains vraiment le pire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais caler la GoPro sur la table. En fait, lui, il va arriver par là-bas. Et moi, je vais vous caler sur la table. Oh, oui, grave. Je vais vous coller là, comme ça, il vous verra pas. T'as regardé. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Il voit même pas. Et ta queue, elle est où? Bah, elle est là. Et c'est pas une queue en dire bonjour, ça. C'est un ours, voilà, c'est un ours. C'est un ours? Non, c'est un singe. Regarde la gueule, c'est un singe, hein. Mais baisse la capuche. Avec des oreilles comme ça. Ah oui. Mais ouais. Si. Je sais pas. Baisse la capuche comme ça. Voilà. Et maintenant tu fais. Vas-y. Fais le gorille, oh, tu sais faire. Oh, attention, fais ouh. Je veux plus rien. Non mais hé. Bon. Je savais sans déconner. T'as vraiment pas honte? Bah non, pas du tout. T'es fier de toi? Ouais. Bon, il faut rappeler qu'il a bu pas mal de. Il a chopé dans son jardin depuis que je suis arrivé. Il y a des galinettes sauvages qui se trimballent. Il y en a partout. Et on n'a pas chopé. On a. Oh. J'ai pas besoin de ça pour faire ça. Oh, comment il fait son. J'ai pas besoin de ça pour faire ça. Avec les yeux qui louchent, c'est. Oh là, il est. Eh, elle va être belle la charpenterie demain. Charcuterie. Charcuterie, ouais. C'est pas ce qu'on dit. Bon, eh ben. Bah, elle est vide. Faut que t'ailles en chercher une autre. Faut que t'ailles chercher une autre banane. Même deux, parce que la mienne est vide. Bah, t'es un singe. Ah oui, c'est. Allez. Deux bananes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Deux bananes, s'il vous plaît. Et que ça saute. Ah, et que ça saute avec la banane. Hein. Ouais. Ça saute. Vous avez compris, là? Moi, non. Ce que c'est. Bonjour, les abonnés. J'espère que vous allez bien. Abonnez-vous. Mais pas à lui. Ben, c'est Lou. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et toi? Il est
Je suis tombé où, putain? Ah, attends, c'est le même que toi, hein. C'est pareil. Ah, franchement. Tant que ça monte, il est comme toi, hein, ça monte. Ça là-haut. Je demande un tire-bouchon pour ouvrir la bouteille de rosé. Voilà ce qu'on me donne. Popeye! On a trouvé ton jouet! Le jouet à Popo! Oh, elle veut te dire quelque chose à l'oreille. Vas-y. Ah ouais, j'entends rien. Oh putain. C'est les gardons. Hey, t'as fait des conneries dessus. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi d'éteindre. Tu laisses le doigt appuyé dessus? Faut éteindre. Regardez. Il a allumé. Ouais, ça filme. Je l'ai depuis 8 secondes. Regarde, je l'ai récupéré. Comment... Ça, tiens. Pauvre, regarde ça. Ouais. C'est dans l'œil, le pauvre. Ah, bah ouais, ouais. Ah, il a pris dans l'œil. Il a pas pris un doigt dans tu l'œil là. Il va faire le barbecue ça? Non. Non. Non, il est en train de bon. Se chier. C'est pas bon là-dedans. Là. Bon, on est le troisième jour. C'est le jour où je rentre chez moi. Donc là, il est 9h20 du mat. Je suis parti il y a pas longtemps. Et j'arrive chez moi vers 14h. Normalement, si tout va bien. Donc voilà, c'était 3 jours rapides. Dommage que Steph bossait, on n'a pas pu faire grand chose. Mais on s'est bien rattrapé les soirs après le boulot. D'ailleurs Steph, j'espère que t'as pas trop mal à la tête, c'est beau. Hein, ça m'a fait plaisir d'aller chez eux, de les rencontrer enfin. Et puis voilà quoi. C'était un petit vlog comme ça, en passant. Et puis voilà. Je viens de me lever, ça fait même pas une heure que je suis levé. J'essaye de retrouver l'autoroute. Ce GPS il capte pas. J'ai aucun réseau ici. Donc je suis parti dans une direction et j'attends de trouver un panneau autoroute. On verra bien. Voilà. Ah, il y a des panneaux. C'est bon, on est sauvé. Sur ce, Paris, non. Bordeaux, c'est celui-là. Ok, tout droit. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et puis voilà quoi. À bientôt. Allez, ciao ciao.